Bah, pas sûr que ce soit une bonne idée, je me tente sur un round 2 bah, sur ce jeu de l'Atlantis Cache Collect. Donc ouais, il nous reste 3507. Ouais, le round 1, les bonus pas au top, on avait fait un micro bénef, mais il a pas duré longtemps. Pas grand monde. Si quand même. Ça m'étonnerait qu'il soit là. Ah bah il est là quand même. Bonus d'entrée sur le round 2. Alors 460. J'espère que ça va renflouer un peu. Alors le reset il va nous faire chier. Le 1 encore plus. Allez, reset à 460. On est quand même un win initial sympathique. Bon là 530, il nous faut le cash collect pour les collecter. Si on se prend le reset dans la gueule, ça reset à 460. Là s'il y a marqué 5000 balles qu'on se prend le reset, ben voilà, c'est... Ça c'est un système de programmation à bien énerver le joueur. Ah, j'ai presque gagné 5000 balles, ben non, je vais resetter la tronche. 480. Balance tout le cash collect, on collecte ça. Faut que je vais me taper que le win initial et 55 balles. Espèce de rame, la fait pas l'envers. Espèce de crevard, qu'est-ce qui va nous sortir? Pas le hand. Reset dans ta gueule, 460. Voilà, boum. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le hand. Cash collect. Et on se prend dans la tronche, on se prend dans la tronche. Reset bordel. Autant que c'est pas le 1 déjà ça va. Alors imagine c'est toi qui joues là qui mate cette vidéo, la tronche que tu fais, tu vois le joli montant puis se fait recéder. Et encore t'attends la pastille end pour sonner la fin du bonus. Plus 20 balles. On va réussir à collecter ça. 180 en plus. 100, 130. Est-ce qu'on va se faire recéter la gueule à 460 ou encore pire le hand? La fait pas l'envers espèce 2, je vais rien dire d'autre. Et cash collect il nous l'a fait, je pensais qu'il allait me balancer le main de rat. Elle crevure, elle crevardos. Ben non, il a quand même sorti. Je peux pas me le faire collecter encore, là ça sent le coup du crevard. 80. Alors là, je le sens mal. Je le sens mal. Qu'est-ce qui va nous filer le crevard? Recette. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un, mais on avait un bon montant. Spin until end. Je rajoute 50. Alors là ça fouette, c'est le reset. Il m'a pas encore balancé le hand. Bon, c'est déjà ça. Allez, 20 balles. Alors des fois tout dépend des tirages aléatoires, mais ce genre de free game ça peut durer une plombe. S'il nous prend pas le hand. 110 en plus. Là on doit le sentir mal et il nous sort 10 balles plus le crevard. Ça va, recette. Tant que c'est pas le 1, c'est déjà ça. Parce que tôt ou tard je vais me prendre le 1 en pleine gueule. 120 plus.
Est-ce qu'on doit le sentir mal celui-là? Qu'est-ce qu'il nous sort? Le end, bordel. De toute façon, 1160, c'est pas mal, plus 25. Allez, 1185. Alors, The Benefice, 5112. Bon, bah tant mieux, on a récupéré la loose du précédent, enfin du round 1, de la précédente partie. 5112. Je vais faire la flipette, spin à 10 balles. $80, tu les gagnes, et tu les gagnes. On va m'arrêter à 5000 balles, ou peut-être tenter de pousser un peu la partie pour voir. $20, il va me les donner vu que c'est un petit montant pourri, voilà. S'il y avait eu plusieurs 200 balles ou 400 balles, c'était pas sûr que le cash collect y sorte. 25 balles, oui, il peut les donner ça quand même, ça va pas crevard. Histoire de dire, tiens le joueur, tu gagnes quelque chose. Par contre, j'ai baissé les mises à 10 balles, je tiens quand même à conserver du bénef. Alors, j'avais commencé le round 1 à 4004. C'était tapé une petite perte. Bon, voilà, jolie remontée. De 50. 180 balles. 180 balles. Mais pour le moment, j'arrive à rester au-dessus de la barre des 5000. Les big win bof. 180 balles. 1 x 18 par rapport à la mise. Encore un petit bonus peut-être, qu'on se prend un peu des sueurs avec les resets et indes et tout ça. 40 francs, 40 balles. Bon, tout compte fait, je crois qu'une limite fixée à 5000 balles, c'est pas trop mal. Oui, bien sûr. Est-ce que vous y avez cru? Bon, là, le mini, il était à 200 balles. Est-ce que vous y croyez, moi, non? Oh, si, pourtant, allez, 200 balles. S'il fait un effort, il nous file le minor, mais on va pas trop compter là-dessus. Généralement, c'est le mini. Le grand, vous pouvez l'oublier. Eh ben, le grand, il était au-dessus, il nous a sorti le mini, 200 balles. Allez, c'est reparti, big win, 215, 5003. Bon, forcément, les jackpots là, ils sont par rapport aux mises. Pas miser un spin à 30 centimes et gagner 200 balles pour le mini. 5277, allez, on retente, mise à 20. Limite fixe à 5000 balles. Oh! Ah ben non, plus rien de chez plus rien.
bonus avant d'arriver à 5000, non? Allez, barré de partie, 5001, joli remonté. Bon, de toute façon, avec ce genre de jeu, on sait jamais à quoi s'en tenir. Bien sûr, sur le long terme, ne pas oublier que c'est le casino qui gagne, car il y a plus de joueurs perdants que de joueurs gagnants. Allez, c'est leur tirer le frein à main, 5001 et 50 centimes, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire.